Hey, tout le monde, les amis, on part du coup pour une toute nouvelle vidéo, les gars. Aujourd'hui, c'est parti, let's go. Nouvelle vidéo. On va tester, comme vous l'avez vu à la miniature, le nouveau sniper, les gars. Donc, on va essayer de le trouver. Et dans cette vidéo, les gars, en plus, je vais vous faire quelques news. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire de spécial. Mais on va dire des petits trucs, les gars, qui vont peut-être vous intéresser, qui vont peut-être pas vous intéresser dans cette vidéo. Mais des trucs plutôt intéressants. Donc déjà les gars, je suis désolé car il y avait un moment, il y avait plus de vidéos qui sortaient les gars sur la chaîne. Donc je suis un petit peu désolé. Bah, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais dit que je serais régulier, etc. Au final, pas trop trop. Ah mais non, mais c'est pas celui-là les gars. Ok, attends, j'ai cru un instant que c'était ce sniper-là. Mais non, celui-là c'est thermique. Il y a tactique, le nouveau qui est sorti. Donc non, pas du tout, du tout, du tout. Ok, bref, du coup je disais que oui, je serais peut-être même encore moins régulier parce que je vous parle depuis un sacré bout de temps maintenant que mon rêve, bah voilà déjà le petit sniper, il n'y a pas de viseur. D'accord, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Je vous parle déjà depuis un petit moment que mon rêve, ça serait de faire des caméras cachées. C'est trop bien, c'est trop stylé, c'est trop drôle. Ça mélange fun et aventure. Enfin, faut oser les choses et tout. C'est franchement, je trouve incroyable l'idée. Ouais, d'accord. Il vise automatiquement ou quoi là, les gars? Parce que j'ai l'impression que j'ai raté aucune balle. Donc, il y a un problème ou... Revenons sur les caméras cachées, les gars. Donc voilà, je vous parlais des caméras cachées. C'est mon rêve, machin, bidule, truc, muche. Et depuis un certain temps, je me suis dit, mais mec, c'est peut-être le moment pour se lancer dans la caméra cachée. En faire plein, faire ton. Ce que tu kiffes, quoi. Et franchement, du coup, ah, ça vise automatiquement, non? Mais ça vise clairement automatiquement. Hein. Ou alors j'ai un aimbot, hein. Alors je sais plus, hein, si j'ai un aimbot ou j'ai. Où je vise parfaitement, mais mais non, non mais c'est pas possible les gars. Ou alors je connais tellement bien le viseur des autres armes par cœur, merde, que du coup je suis trop fort avec soi-même sans viseur. Alors là, ça serait incroyable. Enfin bref, voilà. Et du coup les gars, revenons aux caméras cachées. À chaque fois on va changer, revenir sur les caméras cachées. Mais du coup, je me suis dit, mais ok, lance-toi, c'est le moment. Et donc là les gars, je compte maintenant faire des vidéos. Toujours Fortnite, même si apparemment j'ai cru entendre que ça serait peut-être la fin bientôt de Fortnite. Et enfin voilà quoi. Donc je ne sais plus quoi faire les gars. Je pense que Fortnite, je peux pas arrêter Fortnite parce que c'est celui-là qui m'a fait grandir sur YouTube. Et donc je peux pas arrêter Fortnite pour le moment en tout cas parce que c'est lui qui m'a forgé. C'est toute la base de ma chaîne YouTube à la base est construite sur Fortnite. Et maintenant, enfin, je trouve que Fortnite, déjà, c'est beaucoup moins bien qu'avant. C'est, enfin, je trouve que quand je joue, je m'amuse moins qu'avant. Avant, vraiment, enfin, quand j'allais sur Fortnite, je faisais une vidéo, voilà, et je lançais Fortnite comme ça, et juste on rigolait, on délirait, tu vois. Mais là, en ce moment, c'est limite, je me force à faire des vidéos parce que, bah, je veux toujours vous apporter du contenu drôle et il enfin, faut que ça soit drôle à regarder, en même temps que ça soit amusant, que ça soit divertissant, etc. Mais là, clairement, ça devient... Enfin, limite, je me force à faire des vidéos et je veux pas me forcer à faire des vidéos. Autant changer totalement de concept et repartir sur un truc que j'adore et que je rêve de faire depuis le début de ma chaîne YouTube. À la base, j'ai commencé Fortnite pour après finir sur les caméras cachées. Et donc, j'annonce, c'est pas vraiment une annonce officielle, officielle. Mais j'annonce que les caméras cachées sont entre guillemets de retour sur ma chaîne YouTube parce que j'avais fait une caméra cachée à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, ça fait un an peut-être que je l'ai fait. Et franchement, j'ai eu que des bons retours et j'adore cette caméra cachée. Si vous l'avez pas vue, elle est dans mes shorts. C'est le caméra cachée, le pire rappeur. Et donc, j'ai eu plein de nouvelles idées de caméras cachées à faire. Et donc, là, les gars, franchement. Enfin, je dirais pas que ça va envoyer parce qu'au début, forcément, il va falloir que je prenne un rythme entre les vidéos Fortnite, les vidéos caméra cachée. Mais en tout cas, il y aura les deux et je serai hyper content. Et je sais pas trop quoi dire, les gars. En plus, j'ai le nez
bouché, donc si je parle du nez, c'est normal. Bon voilà quoi, voilà, ça me fait extrêmement coup plaisir. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire les gars, en tout cas les caméras cachées sont de retour. Donc voilà, s'il y a moins de vidéos Fortnite en ce moment, c'est de... Enfin, c'est pour, voilà, c'est pour bien que vous compreniez. C'est de une, parce que le jeu devient moins intéressant et je trouve moins divertissant pour vous ou même pour moi. Et parce que je me lance aussi sur un autre projet qui est quand même nettement plus gros, où vous allez voir mon visage, vous allez entre guillemets découvrir qui je suis, parce qu'en fait, vous savez pas vraiment qui je suis. À part mon prénom, peut-être que vous savez probablement, parce qu'on le dit souvent dans les lives, même si les lives c'est terminé. Alors, c'est terminé parce que j'en fais plus, mais est-ce que ça sera vraiment terminé? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je ferai un live, même dans la vraie vie, pourquoi pas, je ne sais pas. À voir comment ça se déroule les caméras cachées, à voir si vous appréciez, à voir si ça vous fait plaisir. Bah, je parle un petit peu trop, je fais même plus de blagues, il y a plus aucune blague dans la vidéo, il y a plus aucune blague. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Maintenant, concentrons-nous sur la vidéo, les gars, pour tester ce magnifique sniper qui, pour le moment, j'aime bien. Voilà, je vous le dis, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Avec peut-être un sniper automatique, du coup, je sais pas vraiment. Bon, attends, on va tester sur un Raptor, les gars. Est-ce que le viseur est vraiment automatique? Je ne sais pas. En vrai, je pense pas. En vrai, je sais pas, les gars. Parce que là, c'est parce que là, je suis dessus. Est-ce que je vise à côté? Ouais, non, non, je crois pas. Hein. C'est juste que j'ai un trop bon shoot de base et voilà, je suis trop fort, quoi. Enfin, excusez-moi si je suis trop fort au jeu, quoi. Mais à un moment, va pas leur augmenter la difficulté, s'il vous plaît. Assalamu alaikum, bolikum, 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 bolikum. Au revoir. Bisous, bisous. Coco Philippa, comment tu vas là? Quoi? C'est pas c'est quoi les gars là? Vamos! Et voilà, un kill de plus dans ma collection. D'ailleurs les gars, du coup j'en profite petit instant dans la vidéo pour vous dire de vous abonner directement. Parce que ça me ferait un petit peu plaisir là, quand même que vous vous abonniez maintenant. Et que vous m'encouragez surtout dans mon projet. Car j'espère que ça va vous plaire. Des caméras cachées, franchement, je trouve ça très 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 drôle. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est gaulerie? Franchement, c'est super drôle. Et c'est vraiment ce que je veux faire sur YouTube. Je vais pas revenir dans le débat, mais franchement, abonnez-vous pour me soutenir là-dedans. Et dans ce projet qui est pas compliqué, parce que quand on commence sur quelque chose, c'est compliqué de dévier sur autre chose. Donc voilà, restez abonnés et abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. Bon bah les gars, je croise personne, donc je vais vous parler aussi d'un truc que j'ai parlé vite fait tout à l'heure. Je vous ai dit que le jeu, ça allait être la fin parce que le jeu est mort entre guillemets. Et bah oui les gars, c'est pas faux, plus personne joue au jeu. Oh ça c'est l'alarme que... C'est pas l'arme que j'ai en meilleur ça? Attendez, on prend ça là vite fait là. On prend ça là en fait. Bah si c'est l'arme que j'ai en meilleur, bah parfait. On va pouvoir tuer le dernier mec avec cette arme, j'espère. Bref, voilà, le jeu donc est entre guillemets mort. Parce que en fait, plus personne y joue, c'est exactement ce que je vous ai dit, je répète tout le temps la même chose. Mais surtout... le jeu en ce moment, les gars, va augmenter ses prix, ses V-Bucks, etc. Il va licencier des personnes et tout. Enfin, le jeu, je dis Epic Games, hein, les créateurs de Fortnite. Parce que bah, c'est un peu la merde en ce moment pour eux financièrement. Donc, le jeu, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu mort et que c'est peut-être le moment de changer. Mais après, le jeu en lui-même n'est pas vraiment mort et il continuera toujours de vivre. Mais moi, c'est, je veux juste m'orienter vers un autre projet. Oh là 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 là.